C'est une journée cruciale qui s'annonce, une journée où à l'Assemblée nationale, deux scénarios sont possibles. Si le texte de révision de la Constitution est adopté à la majorité simple, alors il devrait être soumis à référendum. Mais s'il obtient les trois quarts des voix, il sera immédiatement adopté, pas besoin de consultation populaire. Cette hypothèse est loin d'être invraisemblable et c'est bien ce que redoutent les protestataires. Ils ne veulent pas voir Blaise Compaoré briguer un nouveau mandat, lui qui est au pouvoir depuis 27 ans maintenant. Ils ont donc promis d'encercler l'Assemblée nationale, d'empêcher les députés d'y entrer. Si tel est le cas, va-t-on passer de la désobéissance civile à l'affrontement? C'est la grande inconnue. Certains leaders reconnaissent qu'une partie des manifestants sont en train de se radicaliser. Mais pour l'instant, en tout cas, toutes les démonstrations, tous les défilés se sont globalement déroulés dans le calme.